Salut tout le monde, c'est AK36CW et DorfFR pour la troisième mission de ce co-op sur Battlefield 3. Ami d'Al-Qazir est sur les lieux, c'est notre priorité. On fait vite, mais attention. Ah, je suis touché. Merde. C'est par là qu'on entend. Merde. Enfin, effectivement, tu tues en fait. Attendez, c'est pas moi qui peux ouvrir la porte en fait. Et on se les fait au couteau. Vas-y, sur ton couteau. C'est pas un couteau, ça, trou du cul. Oh, y a un ennemi qui vient d'apparaître. Bon. Ah, le mec a changé tout à l'heure. Des ennemis. C'était des ennemis. Bah c'est à mon tour. Mais c'est moi que tu tues. M'en fous. Salut, au revoir. On dirait que je vas-y, on se casse. Une caméra. Ok, si on se fait repérer. La porte. Oh putain, tu peux. Ah, je suis dans la porte. Vas-y, va dedans. Va dedans. Ah, ah, pu. Oh, je vais monter sur le véhicule. Ça va rien, tu vas être projeté. Vous deux, en pointe, on y va. Nettoyez la route. Donc, ça arrive assez souvent aussi. On est dans le coffre. Et on récupère nos armes de départ. Voilà. C'est bien moche. Ah, tu récupères des armes, il y a juste le chargeur qui est plein. Pas de munitions en plus. Oh, mais ça marche aussi en multi, je le fais souvent. Ouais, avec les tanks et tout ça, quand il y a tout le monde qui est monté dedans. Ouais, bah non, mais c'est ce que je faisais, j'en poussais 2-3. J'étais dans la même équipe. Il n'y avait plus rien. Bon, pas trop mal. Faisons ça. Et j'ai fait le salaud, on était à 4 dans une voiture, je vois des mines, je sors du véhicule. Ah oui, tu le laisses continuer. Ils ont tout oh, con. Ouais, ça m'est arrivé par contre une fois, il y a tu vois les véhicules de transport, mais non blindés hein. Mais si tu veux, il y avait un véhicule comme ça qui arrive, je sors mon lance-roquette, je tire une roquette, tu me fais 4 frags. Sur la map Grand Bazar. Wow. Je me suis fait allumer. Ah. Ouais, y a un gars, il sort, il y a 50 mètres. Il me tue en je sais pas combien de balles. Je m'occupe de ça. Voilà, ça devrait aller mieux comme ça. On y va. Je vais récupérer la cache. Oula, c'est bizarre. Alors, j'aime mieux que ton RP gagne, ok. Mais... dans les véhicules. Ah aussi tu sais on peut mourir quand on se fait écraser par la grille. Enfin entre le véhicule et la grille. Ah bon? Intéressant. Ouais je sais, c'est vachement intéressant. Hop, pourquoi tu restes devant le véhicule? Merde. Tu vas devant le véhicule, il pousse. L'artillerie est mort, on a plus de mitrailleuse. Lance-roquette.
Ouh putain. Je me fais manger. Ouf, il y en a qui étaient pris pour ça. Ah Lucas, ça c'est une bonne arme. C'est pas un ennemi ça par hasard. Aïe. Aïe. Juste un bouclier. Ah, regarde le mec il est mort debout. Ouais, ça arrive de temps en temps. Il y a du sang devant lui. Non, ça... Oh, le mec il me tire dessus lui. Ok. Putain les mecs il faut des... Il y a un nouveau un qui est mort debout déjà. Sa jambe est partie en live, s'est détaché près du mort. Ils m'ont détaché de son corps sa jambe tellement qu'il a bougé vite. Je recharge. Vas-y, je veux monter là. Mitrailleuse prête, on y va. Je monte, je tire. On va sortir de là. Et commence pas, j'ai pas envie de cramer. T'as eu quand même une grosse frappe, après ça tire dans tout. Hein. Mmh, il y a des engins. L'engin de l'effet garrison. Il y a des ennemis qui se déplacent. Route bloquée. Là tu arrives à pousser une grille mais il arrive pas à pousser une porte. Non, une porte c'est plus lourd que le bois, non? Reste sur tes gardes. Vas-y, c'est des humeurs hein. C'est pas des humeurs mais bon, des hommes-vie. On va mettre plein de C4. En plus, bah, vas-y fais ta place, moi je reste dans le véhicule là. Amuse-toi bien. Aïe, je suis mort. J'ai plus de roquette. Je peux venir en fait. Non, on peut pas finir. Je me suis pris un bout de bois en carton. Bon, viens, vite. Cours. On est pour d'un coup, tu meurs, y'a personne. Ouais, pour d'un coup. Je vais te prendre une balle dans la gueule. Oh putain. Oh, moi c'est une roquette que je viens de me prendre dans la gueule. Et je viens de bug de son. Bon, je devrais tenir le coup. En route. Aïe. Putain, j'ai eu de la chance. Je me suis pris une roquette. C'est pas un entrain de véhicule. J'aurais bien voulu faire le lance-roquette. C'est bon. Ah. Ton véhicule est juste en feu. Protégez-le pour toi.
ça là. Ah, c'est joli. Arrête. C'est pas Noël encore. Père Noël va. Et moi donc. Ouais. Ah, c'est pas souvent que les images qui passent à la télé, hein. Tu vois rien. Moi, il me fait penser à Crysis. La télé. Bah, les images qui passent dessus, ça me fait penser. Ah ouais, à... avec des trucs d'explosion. Ouais, même le type d'environnement. Ah, mais il me semblait bien que c'était un peu en Dragunov, ça. C'est un SVD. Oh putain! Y avait bien au moins 6 ennemis qui sont arrivés comme ça en plein milieu du coin de la rue. Relax! Tu vas rentrer sur les sièges! C'est pour dire, mais je me sens un peu explosé. Et moi donc? Bon, que je sois rentré à la maison. Oui, maman! J'ai fait crever à cause de toi! Il m'a bloqué de passage. Et c'est civil en plus, c'est par des radius, on s'en fout. Merde. Eh, c'est mon tête là. J'ouvre la feuille. Non. C'est débile, il regagne de la vie ou quoi? Hein? Le prisonnier est regardé. Non, derrière ce putain de mur, je prends une balle. Ok, ça devrait faire l'affaire. Restons pas là. Non, pas de gueule. Je tire. Ah, mais je sais pas qui c'est qui tire dessus. Ah, il te tirera plus dessus. J'engage. Ici, on se fait allumer. Quand est-ce qu'on va pouvoir être évacué? À vous. Ah, putain. Où ça? Il dit ça maintenant. Non, mais il dit ça maintenant, on est bloqué. Aïe. On est mort trois fois, là. Père Noël, en avant les histoires. C'est dans ton cul, en avant les histoires. Putain, on me casse. Enfin, je me casse. Les ennemis. Ils étaient où? Je sais pas. C'est bon. T'es derrière la voiture. En fait, c'était derrière les deux vies. Il était derrière les deux vies, mais il arrivait quand même à nous choquer dans le pied. Putain, il n'a pas qu'à arriver. J'arrive pas à tirer sur le mec, mais le mec arrive à me tirer dessus. Ici, WAF 55, contact multiple sur le toit. Enfin. Aïe. Ah, on va enfin venir me chercher. Ouais, attends, je vais tuer le chauffeur. Non, non, non. Le paquet est en route. Il rentre là-dedans. Vas-y, viens voir, je te montrerai. Pour que tout le monde voit comment est-ce qu'on fait pour tuer. Prêt? Ouais. T'as vu comment il a bugué? Putain. Là? Ah, t'as vu, il est pas là, il tourne pas, on part en haut. On quitte la zone pour entrer à la base. À vous. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était bien n'importe quoi, mais c'est pas grave.
Un petit bisou où vous voulez. Plein partout. Ah oui, oui. Et oui. bah voilà.